Il est possible d'annuler complètement les dégâts de la lave tout en étant invisible et invincible. Les gars, je crois qu'on est sur le plus gros glitch de ce mode de jeu. Mais sachez tout de même qu'il est assez compliqué, mais bon, il en vaut la peine. Et pour que ça soit plus simple, rendez-vous à Restored Release. Et quand vous avez atterri, il faudra fouiller un maximum de coffres pour trouver des répulsives. Ensuite, il faudra attendre que la lave monte. Et quand elle aura atteint l'entièreté du lac, il faudra choisir la deuxième guirlande qui est juste ici, mettre deux sols, et ensuite monter dessus. Et une fois qu'elle est là, il faudra attendre qu'elle atteigne la hauteur du pilon. Il faudra vous munir de votre répulsive et de lancer la répulsive juste en dessous de vous. Comme ça. Bon, moi ça m'a dégagé, mais du coup il faut que je retente. Donc je retente encore. Si ça vous fait descendre, remonter. Bon, malheureusement j'en ai plus, mais tout à l'heure j'ai réussi le glitch, donc on va passer en mode rediffusion. Donc regardez, quand je réussis, normalement vous mettez votre épu et vous n'êtes pas dégagé. Ce qui vous permettra aussi du coup de mettre un mur. Il faudra donc se coller au mur et regarder ce qui va se passer. La lave va monter progressivement et vous allez totalement bugger comme là. Donc vraiment c'est vraiment giga bugué, mais c'est le but. Et là c'est bon, vous avez réussi le glitch. Donc déjà, comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez construire. Là on me tire dessus et pourtant ça ne me tue pas.